Et salut tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte du mode multijoueur de WRC3. Je vous avais fait donc la découverte du mode solo. Aujourd'hui on va s'attaquer au mode multijoueur qui m'avait été demandé par certains joueurs, par certains gamers qui voulaient en connaître un peu plus justement sur le mode multijoueur qui a l'air vraiment pas mal dans ce WRC3. Et il faut bien avouer qu'il n'y a pas eu beaucoup de mode multijoueur, de vidéos en tout cas sur le mode multijoueur de ce WRC3. Donc on va aller directement dans le mode Xbox Live. Et j'ai pu tester juste avant une seule course, donc j'ai fait vraiment une seule course pour me chauffer un petit peu, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et je dois vous avouer, regardez, vous pouvez voir temps de course 3 minutes, donc c'est vraiment très très peu. J'ai eu 2 secteurs verts et j'ai fini 2ème sur 4 ou 5. Donc c'était relativement bien. Voilà. Après, on va essayer vraiment de se faire au jeu. Et donc, alors, présentation un petit peu de ce mode multijoueur qui est vraiment pour moi le gros point fort de ce WRC3. Et bien, tout simplement, nous avons notre perso, bon, qui a un petit peu un air de Justin Bieber en mode WRC, mais bon, bref. Et donc, là, pour l'instant, je suis au niveau 1. Donc, vous montez en niveau comme dans un Call of Duty ou autre jeu, donc très classique. Vous avez le Panthéon, donc le classement. Alors, je ne sais pas si c'est mondial, continental ou je ne sais pas vraiment. Le temps que vous avez passé en course, les secteurs verts que vous avez acquis, les victoires SS, les SSS gagnés, le niveau WRC classe 2, classe 3 selon les véhicules et la classe que vous choisissez. Ensuite, vous avez le choix de faire soit une partie personnalisée, de créer une partie, donc votre propre salon, et de voir le classement. Donc si on veut aller voir par exemple le classement, on peut aller voir les temps records et le classement joueur. Donc on va aller y faire un petit tour. Donc voilà. Donc moi je suis, je ne sais plus, bah je suis... Alors il y a 686 joueurs donc au classement global, donc je suppose que c'est mondial, hein, je ne sais pas, peut-être que c'est national, je ne sais pas du tout. Et par exemple si on va dans le top 10, voilà, là nous avons le top 10, et on a toutes les pages ici, donc moi je ne sais pas du tout où je suis, je dois être vraiment très très loin, hein. Je dois être, je suis 506 sur 600 et quelques. Bon, c'est pas mal, je progresse petit à petit. Voilà, allez, donc on retourne là. Donc on peut créer une partie, mais ce qu'on va faire, nous, on va rejoindre directement une partie rapide en appuyant sur X. Allez, on appuie sur X. X. D'accord. Allez, veuillez patienter, on recherche donc une partie. Donc vidéo relax aujourd'hui, découverte de ce mode multijoueur. Ah, donc on est tombé dans un salon, il y a déjà 2 personnes. Donc, alors, on pourra voter juste après pour le circuit de notre choix. Donc on peut voter pour n'importe quel circuit. Nous pouvons choisir ici notre véhicule. Donc on va essayer de choisir un bon véhicule. Bon, c'est un peu cliché de prendre la Citroën. Donc je ne sais pas ce qu'on va prendre. La Ford. Ouais, bah tiens, on va prendre la Ford. Allez, hop. Je l'ai jamais prise en plus. Comme ça, c'est bien. Donc là, comme je vous ai dit, heureusement, tant mieux qu'il ne le lance pas tout de suite. Parce que déjà, il n'y a pas assez de monde. Et parce que, de toute façon, il faut que je vous présente un petit peu le reste. Alors, info joueur. Donc, on peut voir, si on appuie sur la gâchette RT ou LT, les infos au niveau des joueurs. Donc là, par exemple, Battle Kamat, il est au niveau 13. Il est 31ème au Panthéon. Ouh, ça va faire mal. Donc, niveau WRC 11 et classement salle d'attente 2. Ensuite, XX du C-Papier 68. Niveau 12, 30ème au Panthéon. Aïe, 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 ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Niveau 14, eh oui, moi je suis niveau 1, regardez, niveau 1, 506, niveau 1, classement salle étape 3, d'accord, superbe. Donc après, évidemment, non, je ne veux pas quitter le salon, après, on peut aller dans les options, pour régler un petit peu, options d'affichage, options audio, options de jeu, options des commandes, et enfin, envoi des temps. Donc, bon, rien de bien compliqué. Ah, donc là, vous pouvez voir qu'ils sont à la ligne d'arrivée, c'est écrit à côté, justement, du logo Citroën. Donc normalement, on devrait bientôt pouvoir commencer la course, vu qu'ils sont à la ligne d'arrivée. Donc on a les informations justement sur où en sont justement les pilotes. Et donc là, voilà, donc en attente, vous voyez, tant que on ne peut pas commencer la course, ça veut dire qu'ils sont en course, et donc là on va pouvoir enfin jouer dans les minutes qui vont suivre, en tout cas je l'espère. Et vous savez que c'est toujours un peu laborieux de commencer une partie en ligne quand le jeu vient de sortir. Ah, ça y est, début du vote. Allez, on est parti les amis. Alors, on va voter pour quoi? Perso, je vais voter pour... Ouais, allez, le Portugal, allez, on va leur faire plaisir. Hop. Non, j'ai déjà fait le Portugal. La Grèce. Non, je l'ai fait l'autre jour. New Zealand. Allez, New Zealand. Allez, sélectionne-moi. D'accord, Italie. Ah, bah, je l'ai pas fait non plus, donc comme ça, c'est bien. Début du vote. Et là, après, quand on a choisi justement le rallye, on va voter la Special Stage. Donc, que l'on souhaite faire. Donc, moi, je vais prendre... laquelle est la plus facile, en fait
Bah écoutez, on va prendre la SA Linea. On va essayer d'être d'accord avec nos petits adversaires parce que sinon, ils risquent de me prendre en grippe et ils vont me faire crasher pendant la course. Allez, et on commence justement dans 16, 15, 14. Et voilà, donc c'est bien. Alors moi, je suis prêt, voilà. Et quand on est prêt, on dit qu'on est prêt et c'est parti. Ouh, je suis chaud. Je sens qu'on va y arriver. Bon alors, bien entendu, je risque de faire pâle figure face à ses adversaires, justement, parce qu'ils sont niveau 12, je crois, et niveau 11. Et moi, je suis que niveau 1, c'est ma deuxième course, donc ça risque d'être un peu compliqué. Il faut bien l'avouer. Bon, on va quand même essayer de tenir le pavé, de tenir le chemin ou la route, hein, ça dépend justement de ce rallye que je n'ai jamais fait. Hein, voilà, le rallye d'Italie, je ne l'ai jamais essayé, je ne l'ai pas fait encore dans le mode Road to Glory, dans le mode carrière du jeu. Mais je vais quand même le faire par la suite, vu que personnellement j'adore ce WRC3. Il s'est pris 14 sur 20 justement sur ce jeuxvideo.com, donc c'est une note relativement bonne et significative que vraiment la série prend un bon chemin. Donc pour WRC4, on est vraiment en droit d'attendre un superbe jeu. Alors je vais me mettre en vue comme ça, parce que c'est ma vue préférée et c'est la vue qui offre le plus de sensations. Alors dans ce mode multijoueur, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a justement les fantômes. Alors les fantômes, vous les verrez quand ils me passeront devant au niveau du temps. Oh là là, ça commence, ça y est, bon, ils vont vite me passer devant, je pense. Fantôme, vous êtes où? Bon bah, ils m'ont toujours pas passé devant, je sais pas ce qu'ils font, ils s'amusent, ils... Je sais pas. Ou alors je suis tout seul, ils sont partis. Allez, ça va ranger là comme ce... Ah voilà, regardez, le fantôme rouge juste devant, donc il vient de me passer devant, le monsieur. Pas de problème. Oh, comme c'est dur, j'aurais dû garder la Citroën qui va un poil mieux au niveau du comportement. Donc vous voyez, j'ai un fantôme devant, un fantôme derrière. Bon, je pense que le fantôme bleu va vite me rattraper vu qu'ils ont plus d'expérience dans le jeu que moi. On va essayer quand même de bien se démerder. Hop, allez, on coupe. Oh, wow, bijou, on se calme. On se calme, c'est pas évident, je coupe. Moi, je sens que c'est un rallye en plus qui est pas très facile. Il y a une difficulté de 4 sur 5, donc c'est pas évident. Bon, j'espère en tout cas que la vue comme ça ne vous dérange pas. C'est vraiment la vue, on va dire, classique de tous les jeux de course. Et donc c'est pour ça que je la prends. Alors pourquoi je ne me mets pas en vue extérieure? Parce que je n'arrive pas à conduire en vue extérieure. Et que je trouve que le comportement du véhicule dans ce jeu n'est pas forcément très beau en vue extérieure. Alors que comme ça c'est vraiment superbe. Après en vue intérieure avec le volant, pourquoi? Parce que c'est un peu plus difficile que ça. Ouh, j'ai failli me prendre les trucs sur le côté. Et voilà, là je suis dernier, vous pouvez voir, il m'est repassé devant, normal quoi. Je conduis comme une bicasse. Bon, on est que 3, donc si on serait plus, j'aurais plus mes chances. Parce que forcément, quand t'es contre deux autres adversaires, et en plus qu'ils ont un niveau assez élevé comparé à toi, forcément, tu risques de finir dernier, c'est-à-dire troisième. Mais lorsque tu tombes contre, allez, 5 ou 6 personnes, ce qui est possible dans le jeu, c'est ce que j'étais avant, j'étais contre 4 ou 5 personnes, et j'ai fini deuxième, donc j'étais assez content, deuxième sur 5, je crois. J'étais vraiment content. Ah d'ailleurs, il est encore derrière moi, il a dû se crasher. Hein. Pourtant, je fais pas une conduite superbe, hein. J'ai été habitué à faire beaucoup mieux. Ah, on a un nouveau connecté dans le salon, ça c'est bien. En tout cas, ce mode multijoueur, c'est vrai qu'il est pas mal du tout, on voit les fantômes et tout. Bon, ça reste du rallye, donc forcément, c'est pas des courses à la dirt, on a les vrais adversaires. Alors en tout cas, je tiens à vous spécifier quelque chose, ce n'est pas un Call of Duty ou autre jeu qui demande une connexion de ouf, et ça encore un bon point pour ce mode multijoueur, c'est qu'en ce moment même que je joue en mode multijoueur, je suis en train d'uploader une vidéo et de télécharger une musique. Donc vous vous rendez compte un petit peu, vous vous rendez compte quand même que, voilà, il y a vraiment pas de lag dans le jeu et c'est vraiment très appréciable parce qu'il y a tellement de jeux maintenant qui demandent une connexion de fou. Je sais que FIFA 13 demande quand même une bonne connexion, bah, tous les FIFA en général, j'ai jamais pu vraiment jouer sans... Wow! Ah, j'ai eu quand même un secteur vert, je suis content. Bon, je suis deuxième, écoutez, si je tiens cette place pour l'instant, c'est impeccable, faut que je continue même si je sens que le fantôme de l'autre monsieur va vite arriver. Oh là, je serais pas un peu coupé là. Non, c'est bon, il me rattrape pas. Bon bah écoutez, impeccable. Oh là là, en tout cas j'ai pu voir la vidéo de Pico sur ce WRC3. Chapeau à toi, même si tu joues un peu comme une bique, hein. De toute façon, j'avais essayé de jouer avec toi, enfin de jouer avec ton volant chez toi au jeu de rallye, bon, même si c'était pas le même, mais bon. Ça reste un petit peu le même gameplay, hein, les jeux de rallye, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le jeu en main, bien entendu, donc c'est un gameplay, on va dire, quand même assez jouable, assez arcade, mais qui a quand même sa petite dose de simulation, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même, bien freiner et faire attention à ne pas aller dans le décor. Et ce qui est vraiment difficile, c'est de ne pas rentrer dans le mur. Et oui, oui. Hop.
Oh, c'était très serré. Ah, c'était niveau 12 et 13. Alors franchement, on est arrivé, voilà, plus 0,075, plus 1,25. Alors, vous vous rendez compte, quand même, la différence de niveau n'est pas vraiment justifiée, parce qu'on peut quand même voir qu'il n'y a pas une grande différence au niveau des temps. Et j'ai l'impression que la voiture de devant, elle a ralenti à la fin, où elle a dû se crasher sur un côté, je ne sais pas en tout cas. Et donc voilà, en tout cas, moi ça me fait très plaisir de jouer à ce jeu, que j'attendais un petit peu quand même, vu que j'adore les WRC, en tout cas sur PS2, je les avais beaucoup appréciés. Et donc là, c'est vrai, ça me fait plaisir d'y rejouer, enfin, sur un épisode de la série qui tient la route. Eh oui, oui. Allez, donc, après avoir gagné une course, donc après déjà avoir fini une seule course, donc vous augmentez votre classement au Panthéon, ou vous diminuez, ça dépend de votre progression en course. Mais bon, vu que là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est logique. Donc on va continuer, parce que sinon, après, ils vont nous baguer et on va pas reprendre la course suivante. Ah, la plus intéressante, nous sommes 5, ça c'est bon. Allez, début du vote. Alors, on va aller où? Moi, je dirais Mexico. Allez, Mexico. Moi, je prends le Mexico. Haha. Je veux le Mexico, s'il vous plaît. Ah, donc on a chacun voté son circuit, c'est magnifique. Allez, moi. Et moi, je serai jamais sélectionné, bien sûr. Ah, je crois que ce qui a été sélectionné, c'est la Suède, non? Oui, la Suède, donc un parcours 100% neige. C'est magnifique. Oui, donc de préférence, on prend le circuit le moins dur, c'est-à-dire 3 sur 5. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Donc 65% de neige et 35% de terre glacée. Ah, ça s'annonce très dur. Allez, s'il vous plaît, je peux être sélectionné? Non, c'est un 69 qui a été sélectionné. Allez, bref. Special stage sélectionné. Donc vous... Oh my god, regardez tout le monde qui s'est connecté. Oh my god, c'est magnifique. Donc moi, je suis prêt. Oh là là, alors vous voyez le nombre de joueurs qu'il y a en ligne, c'est balèze. Ça ferait penser un petit peu à un Trackmania. On est combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nous sommes 15 en ligne, les amis. C'est énorme. Alors là, on va bien s'éclater, il va y avoir des fantômes dans tous les sens, c'est un truc de fou. Allez, alors sérieusement, en plus, c'est de la neige, donc ça risque d'être vraiment compliqué. J'ai pas l'habitude, donc on va vraiment essayer de s'y faire. Ça va être très très chaud. Allez, on y est, on est chaud patate, on fait la course, WRC3, course sur neige, Suède, ça va être dur. Heureusement qu'on n'a pas pris un circuit de difficulté au-dessus de 3 sur 5, parce que là, c'est super dur. J'avais essayé le rallye des dieux, il me semble que c'était en Grèce, je crois. Alors, il est vraiment très dur. Je vous l'avais montré dans la vidéo découverte, je crois d'ailleurs. Et franchement, c'est un 5 sur 5, je crois. Il était énormément dur. Donc là, il vaut mieux prendre un 3 sur 5, c'est beaucoup mieux. Oh là là, on est 15, en attente d'autres joueurs. Allez, mais confirmez, bon dieu, Peps et Natpat. Voilà, allez, on n'attend plus que Peps. S'il te plaît. Allez. J'ai l'impression qu'ils sont tous larges au-dessus de moi au niveau de leur... par rapport à leur niveau, au niveau de jeu. Donc j'ai un peu peur, là. Vraiment, on est 15. Alors, beaucoup plus intéressant à 15 qu'à 3. Hein. Allez, alors sérieux, alors ce coup-ci, on va passer en vue capot, tiens. Allez, c'est parti. Les fantômes activés comme d'habitude. Oh, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Donc là, normalement, je devrais vite voir des fantômes devant. Oh là là, j'ai pas l'habitude de la neige. Alors, en tout cas, aussi, en parlant des graphismes, c'est vrai que le jeu est largement meilleur au niveau de ses graphismes que l'était WRC2. De toute façon, le jeu a été largement amélioré sur vraiment tous les points. Comme le dit très bien jeuxvideo.com, en tout cas le testeur, il dit vraiment qu'ils ne reconnaissent plus... Oh mon dieu! Oh mon dieu! Attendez. Oh my god! Ah mais y a pas de flashback. Ah zut! Ah voilà, c'est bon. J'ai déjà perdu la course. Hein. J'ai déjà perdu la course. Voilà, vous pouvez être sûr là. Quand c'est parti comme ça, j'ai... Ah bah non. Ah d'accord, il a dû se crasher comme... Oh, il est pas mieux. Bon, tant pis, de toute façon, on n'est pas là pour faire forcément du score de fou. Hein. Je vous referai une vidéo si vous voulez. Oh! Oh! Oh là là, galère! Il se crash comme moi. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va passer en vue intérieure pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en vue intérieure, même si je suis conduite à la manette. Donc, c'est pas évident du tout en vue intérieure. Oh, ça glisse! Il y a de la glace de partout! C'est chaud! Donc, en tout cas, pour ceux qui attendaient ce jeu, bah, je pense que vous ne serez pas déçus. Mais putain, mais c'est pas possible! Allez, oh là là, je fais n'importe quoi, hein, les amis, je fais n'importe quoi. Mais nom de Dieu, mais regardez! Mon Dieu! Je n'arrive pas à conduire. Et en plus, vous pouvez être sûr que dès que la voiture en a pris un coup, attendez. Oh là là, my god! Bon, on va rester en vue extérieure pour le moment, histoire de vous montrer un petit peu la vue extérieure si vous voulez voir. Et en plus, c'est bien parce que je trouve que ce circuit en neige, il est pas trop moche. Voilà, je trouve qu'il est assez bien fichu. Donc tant mieux. Donc bien entendu, c'est pas une grosse machine de guerre, hein. C'est pas un jeu qui visuellement va vous en mettre plein les mirettes.
Mais n'empêche qu'il est largement mieux que WRC2, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il est loin des Dirt et des Need for Speed ou des Forza. C'est vrai qu'il est loin, loin, loin. Ah zut! Mauvaise direction. Oh, quel gameplay pourri! Alors autant la première course c'était pas trop trop mal, mais alors là, c'est pas folichon. Donc vous pouvez voir par rapport à votre radar à gauche au niveau des secteurs que je suis largué. Voilà. Je suis complètement largué. Mais bon. Regardez ça, ça glisse. J'ai... Oh là là, mais n'importe quoi. En plus, je rentre dans le mur. Oh là là, mais la voiture, elle va finir comment, là? Énorme. Une vidéo complètement... En tout cas, cette course complètement délire, là. Un truc de fou. On va se remettre en vue comme ça, parce que, regardez, c'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympathique à jouer. Et un peu plus facile, aussi, finalement. Allez. Et imaginez, je me mets en vue comme ça et je la remonte. Ah non, non, non. Oh, c'est pas possible. C'est tellement serré, ce circuit. Ah, mais je pense que pour commencer le jeu, parce que là, j'ai pas beaucoup fait de cours, j'ai dû en faire 3 ou 4, c'est, il faut vraiment commencer sur les circuits qui sont plus faciles, c'est-à-dire les difficultés 1 ou 2 sur 5, et éviter les circuits de neige à plus de 3 sur 5. Voilà, parce que, franchement, rien que là, bon, je suis en live, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais à plus de... Ah, par contre, là, je parais vraiment ridicule. Heureusement qu'ils ne me connaissent pas, qu'ils ne savent pas qui je suis, parce que sinon... Il viendra peut-être sur ma chaîne YouTube et il me dira « Ah, Kalax, il est nul !» Bon, bref, donc, moi... Oh là là, mais je suis nul! Mais je parais con, parce qu'en fait, après, c'est affiché dans le salon. Galaxy a été encore... n'est même pas la ligne d'arrivée. J'ai pas l'air bête, là. Franchement... Ah là là. Franchement, Galax, t'as pas assuré sur cette course. Bon, je pense qu'on va en faire une autre. Hein. On va pas finir sur cette course, là, parce que c'est... C'est vraiment dur, mais j'aimerais bien qu'on vote vraiment pour une course un peu moins neigeux, voilà, un peu moins, voilà, ils sont tous là, je suis dernier, logique, voilà, merci les gars, mais regardez, ils sont tous niveau 13-14 là, je suis premier? Ah non, j'ai cru, je suis dernier, ouais, je suis dernier, plus 40 secondes par rapport au premier, oh la galère, mon dieu. Bon bref, alors je suis quatrième quand même au classement. Ah bon? D'accord. Mais si tu veux, hein. Tant mieux. Bon bah d'accord, je suis quatrième. Bon bah c'est bien. Voilà, donc mode multijoueur vraiment super sympa. Il n'y a vraiment aucun souci. On va faire une autre course. J'espère qu'ils vont choisir une course un peu plus ensoleillée. Parce que la glace c'est bien, la neige c'est bien, mais ça fait froid. Allez, 15 sur 15. Et vous voyez qu'on gagne quand même des points même si justement on est... On est dernier. Allez, je suis passé niveau 2. D'accord. Panthéon, ça augmente aussi. Ok. Alors, tous ensemble. Ah, un succès. Tous ensemble, tous ensemble. Ah, mais il y a des niveaux 1 quand même. Regardez, il y a quand même des niveaux 1. Ça fait plaisir. 1, 2, 3, 5. Et après, voilà. À partir de là, on a les gros niveaux. Voilà. Au-dessus de 10, c'est chaud. Allez, début du vote. Je devrais leur dire, il y a Galax qui fait une vidéo, essayez de prendre un circuit où il fait beau, s'il vous plaît. Je vais choisir Allemagne, tiens. Putain, il y en a qui prennent la Grèce. Il y en a qui... Oh non, ils reprennent la Suède. Non, mais je rêve. Ils reprennent la Suède, quoi. Ah, merci. Acropolis. Oh non, mais c'est le circuit, c'est le rallye des dieux. Mon dieu. Oh là là, ça va être dur, ça va être très très dur les amis. Bon bah écoutez, on va s'en contenter hein. Allez, on va prendre celui-là, 80% de terre, 20% de terre rocailleuse. Alors on va s'en contenter, ce sera la dernière course de cette vidéo. Et là, on s'attaque au rallye des dieux, en tout cas. Shepard du 57, salut à toi. Special stage sélectionné. Alors ça risque d'être très compliqué quand même. Allez, moi je suis prêt, on est chaud patate. Alors par contre, avant de commencer, je vais couper vite fait les notifications. Histoire que vous les ayez pas comme ça tout le temps, parce que c'est vrai que c'est chiant. Hop, voilà. Et j'oublie tout le temps de couper les notifications. C'est énervant, parce que pendant les vidéos, ça s'affiche et c'est pas vraiment sympa. Ça peut vous couper même la vision du jeu, parfois. Même en jouant, hein, d'ailleurs. Mais bon. La Xbox 360 est fait comme ça, et donc, voilà. Donc, en tout cas, au niveau de la bande-son, je tiens à dire qu'elle est très très bonne également, parce que j'ai pu écouter les sons des moteurs, qui sont souvent très différenciés par rapport au véhicule que l'on choisit, et ça, j'apprécie énormément. Voilà, et franchement, même on entend bien la terre, la surface, l'asphalte, la terre, etc., on ressent bien cette sensation, même au niveau des différents terrains quand l'on roule, et c'est appréciable, franchement, et voilà. Non, mais ce WRC, franchement, il est largement meilleur que le 2,
Et bon, on ne parle même pas du 1, hein, voilà, je pense que c'est clair, hein, le 1 et 2, oubliez-le, et passez à WRC3, on va dire un vrai jeu de rallye, même si bien sûr il subsiste encore quelques défauts, comme une réalisation pas encore au niveau d'un Dirt, etc. Mais quand même, il y a des bons côtés. Alors, on va se mettre comme ça, hein, c'est la meilleure. Hop, c'est parti. Allez, on est chaud les amis, on est chaud, pour l'un des circuits les plus difficiles, on va essayer de pas se foutre dedans directement. On va essayer de bien conduire, on est parti. Alors au pire, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pas conduire comme un marteau, mais essayer de rester sur la route. Ou plutôt sur le chemin. Regardez, vous pouvez voir que c'est un circuit qui est pas facile du tout, hein. C'est vraiment très serré. Donc déjà, normalement, s'il y a des gens qui sont mauvais dans la course, ils devraient y aller comme des bourrins. Et ils devraient franchement tomber un petit peu de partout. Donc là, on essaye de pas y aller comme des bourrins. Et comme ça, on finira pas dernier, on sera pas humilié, quoi. Allez, c'est bon. Pour l'instant, on tient le bon bout, mais même si je serai jamais premier, hein, ça. Non ! Ça coule de source. Allez, on y retourne. On y retourne. On n'est pas déconcentré. Je suis dixième. Donc vous pouvez voir aussi votre classement par rapport à la barre à gauche. Donc vous êtes sur le radar. Mais bon, je vous conseille de pas trop la regarder parce qu'après c'est compliqué pour conduire. Hein. On voit plus rien. En tout cas, ce circuit est bien joli. Alors il est dur, mais il est bien joli. Alors allez, on va utiliser le petit frein à main. Hop, impeccable. On est bien passé. Je suis entre la dixième et la onzième place, les amis. My god. Voilà, je vais perdre des points parce que j'arrête pas de faire des conneries, j'arrive trop vite. Et je ne sais pas, j'arrive pas à conduire en live et quand je suis tout seul, je conduis beaucoup mieux. Je vous garantis, hein, je vous jure que c'est vrai. Et à chaque fois, c'est comme ça. En même temps, c'est de la logique. Hein. C'est un peu plus facile quand on peut se concentrer uniquement sur la course. Moi, en général, quand je joue, je ne sais pas vous, mais je ne dis plus rien et je suis concentré à mort dans mon jeu. Vous m'entendez plus. D'ailleurs... des fois, c'est mes parents et mes frères, enfin, mes frères, ma soeur, parce que j'ai pas de frère, hein, mais, et ma soeur, elle vient me voir, elle me dit, t'es encore là, t'es pas mort. Non, non, c'est qu'en fait, je suis concentré dans mon jeu, hein, normal, quoi. Bon, je fais encore un gameplay complètement pourrave, même si, bon, les mecs sont pas trop loin, frein à main, s'il vous plaît. Voilà, bon, tant pis, hein, c'était vraiment pour vous présenter un petit peu ce mode multijoueur, qui est franchement excellent. Il n'y a pas à dire. Regardez, écoutez là. Je sais pas si. Wow! Mon dieu! Alors là, je suis parti tout droit. J'ai pas cherché. Alors là, ça c'est très dangereux. Hein. Je ferai pas ça en vrai, hein, les amis. J'irai pas tout droit comme ça. Oh non, tu pourras me passer, toi tu me passeras pas. Allez, on va essayer de dépasser même le jaune. Tiens, soyons ambitieux un petit peu. Soyons ambitieux. Essayons de gagner une place ou deux. J'ai envie de dire, si on pourrait garder notre position, ce serait déjà pas mal. Là, regardez, en fait, on est tous pas loin. Hein. C'est que ça grimpe, hein, ce spécial. Oh, ce truc de fou. Allez. Là, on est bien, on est bien. Ah, il y a un adversaire qui était tombé en bas, ce que je vois. Ok. Ah, c'est chaud. Il me dit d'utiliser le frein à main, mais le truc, c'est que j'ai pas besoin de l'utiliser tellement que j'arrive pas vite. Allez, je suis passé dans le top 10. Ça, c'est beau. Les amis, je suis passé dans le top 10. Papa, pour longtemps. Pas pour longtemps, mais j'y étais passé, hein. Voilà. Top 10 fail sur WRC. Allez, non, sérieusement. Hop. Dixième, hein, ça y est. Je suis entre la 9e et la 10e place. Franchement, si on pouvait avoir la 9e, ce serait énorme. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que le 9e, il est pas mauvais et il s'en sort plutôt bien. En tout cas, la map, elle est jolie. Hein. Très, très jolie course, y a pas de souci. Ah, il y en a qui sont fait. Qui sont tombés à ce point-là. Hein. Ah, ils me disent frein à main, mais à chaque fois que j'utilise le frein à main, je dérape trop en fait. C'est ça qui est drôle. En fait, j'ai l'impression qu'ils se crashent tous, qu'ils réapparaissent, mais à chaque fois, ils réapparaissent devant moi et non derrière. Et ça, je trouve pas bien parce qu'ils sont pas pénalisés. Voilà. En tout cas, je peux vous garantir que c'est pas évident. En tout cas, c'est sympa ce système de couleurs. Ça met un petit peu de couleur dans ce jeu de rallye. Regardez, là, le jaune, il a réapparu devant moi et... Et voilà, quoi. Je sais pas quoi dire, en fait. Il a réapparu devant moi. Et alors? Ah! Non! Voilà, c'est bon. Surarrivé, on y est. Oh oui, le bleu, fait une connerie, le bleu. Allez, alors! Dixième, allez, dixième. Et voilà, on n'a pas réussi à avoir la neuvième. Tant pis.
Bon, en tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo découverte détente du mode multijoueur. J'ai fini 10ème sur 13. Bon, c'est pas exceptionnel. 13 secondes après le premier, mais c'est déjà un petit peu mieux que la course d'avant, il faut bien l'avouer. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo découverte du mode multijoueur de ce double verset 3. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en tout cas, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!